Bon, allez, on est parti pour la suite de Resident Evil 3. Alors, voilà, les Hunters, dans l'épisode précédent, nous avaient fait très, 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 très mal. Un coup, tu meurs. Enfin, un coup, ça dépend des moments. Il y a un coup, des fois, tu meurs, même si t'es OK. Il y a des moments, non. Là, c'est vraiment l'aspect de Resident Evil que j'aime bien. C'est-à-dire oppressant, horrifique, où t'es toujours voilà, dans l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va te sauter dessus, là je ressens plus un Resident Evil 2 qu'au début des Resident Evil 3. Parce que le début de Resident Evil 3, alors pour être honnête, plus action, j'ai accroché, mais sans plus. Donc voilà, donc là cette partie-là me plaît vraiment. Donc du coup, on est parti tout de suite. On s'était arrêté où on avait retrouvé le docteur Bard. Et le docteur Bard, malheureusement, eh ben il est dead. Il est dead, donc du coup il s'est suicidé visiblement. Donc du coup on doit rechercher le virus. Ah c'est plus le Hunter de RE1 qu'on connaissait. Hein. Non, pas du tout. Donc du coup on est reparti, on est toujours avec Carlos. On a la recherche du virus, donc du coup on doit aller rechercher via l'ordinateur. Bon, je suppose que c'est celui-là, hein, je suppose. Hein, il y a Umbrella écrit avec la lumière droit devant. Je suppose que c'est ça. Allez, du coup, on prend encore un peu de munitions. Alors, email de Nathaniel Bard. Objet, réponds immédiatement. Greg, je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts sont déferlés sur Capitol Hill, comme un raz-de-marée. Tu n'es pas en sécurité. Cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. J'ai en ma possession une dose d'un vaccin contre ce virus, le Saint Graal. Et je la garde non pas pour ma famille ni pour mes maîtresses, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des États-Unis. Mais si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier. Maintenant, sans qu'Umbrella le sache. Contacte le Pentagone pour moi. Je sais que tu as le bras assez long. Vois si quelqu'un peut envoyer une équipe de secours ici sans passer par l'UBCS. Tu me rends service, je te renvoie l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes allés. Dépêche-toi, mon temps est compté, Nat. Un coup, il te coupait la tête aussi dans RE1? Oh, je me souviens plus, tu vois. Ah. Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23 h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Taper sur des portes, ça ouvre les portes. Taper sur l'ordinateur, ça ouvre les portes. Ah, je savais pas. Pourquoi on fait pas ça depuis le début? Et voilà. J'ai oublié de vous dire pour ceux qui sont en live, qui viennent d'arriver, et pour YouTube surtout. Voilà, ne m'aidez pas, sauf si je vous le demande. Et pour YouTube, parce qu'en live ils sont au courant. Pour YouTube, si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas, c'est pas des fantômes. C'est voilà, mon fils qui est à côté de moi, qui voulait voir la fin de Resident Evil 3. Donc du coup, voilà, ils m'ont autorisé à liver quand même. Donc du coup, ici, il manque un truc que je peux prendre, visiblement.
Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ah! Ah oui, ok, d'accord. Allez! Ah, attends, ici on peut voir ce qui se passe de l'autre côté. Allez, on est reparti. Ouais, le stress total à l'époque avec l'arrivée de Hunter. Alors désolé si vous avez des baisses de petites framerate peut-être sur YouTube ou quoi que ce soit, mais moi j'y peux rien. C'est vraiment mon ordinateur qui fait des siennes en ce moment. Alors le vaccin il est ici. Donnez le vaccin à Jill. Voilà. J'arrive. Mais du coup, là je pense que... Alors attends, Jill, elle était où? Chambre d'opération. Voilà, c'est là. Donc du coup, je dois descendre, aller par là. Par là. Donc tout droit. Ok. En essayant de ne pas me faire avoir par les. Irène, ah. Je l'ai. Bien joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Bon allez. Donc du coup ici, tout droit. Ah putain, je le savais. Allez, le vaccin. Ah, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Bah, attends, d'abord, je te donne le vaccin. Dire ça, l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Ah merde. Je serais mieux équipé. Jill, elle est ils pas. Sacrément nombreux. Ah merde, je serais mieux équipé, mais attends, je serais mieux de sauvegarder surtout. Ah merde, je pensais qu'on allait rejouer Jill, moi. Donc du coup, attends, ça je peux le jeter, j'avais dit. Ça aussi, du coup. Du coup, j'ai plus rien là. Bah, je vais reprendre des. Voilà, 3 soins, je crois que c'est bon. Ah, attends, il y a un truc là. Hop, voilà. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moyen de point d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. La zone, elle pue. Ouais. Oh putain, ça pue! Ok, et maintenant? Non, la fête commence. Thank you.
dans la merde. Mais si, je le jette juste dans ma gueule. Je parie qu'il va y avoir des hunters, c'est trop facile sinon. Bah à quoi ça me sert le détonateur là? Dans le caca. Balle. Comme un blaireau en plus. Je vais tout refaire. Oh putain, mais c'est pas possible hein, ce jeu. C'est quoi ce passage là? Qu'est-ce qu'il me fait? Non, je veux pas passer en mode facile. Oh là 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 là, c'est hallucinant quoi. Ah je suis vert.
pas chasse survie là. Chaud quoi. Ah bah ouais, je vais tout refaire. Oh non, c'est pas possible. Voilà, rien à foutre, je prends tout. Je vais re-sauvegarder comme ça, je devrais pas tout refaire. Une, deux fois ici. En mode normal ou hardcore? Allez, on est parti. Ok, et maintenant? Ah merde! Faites bon, commence. Tant pis, c'est pas grave.
Concentré à mort, je suis désolé. Hein. Je parle pas beaucoup. Je vous oublie un petit peu. Oula. Oh! Oh là là. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Toujours qui joue au con. Merci. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Ah, je le savais, hein, c'était un rêve. Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre? Évacuez immédiatement. Je répète, non. Évacuez immédiatement. C'est impossible. Allez, on est de retour avec Jill et visiblement, son gros calibre derrière ne la gênait pas pour s'allonger sur le lit. Visiblement, elle n'était pas, voilà, elle était pas trop gênée. Donc du coup, on récupère le lance-patate. Si on rencontre des hunters, ça sera efficace. On a le flingue, on a ça. Ok, donc du coup, on va regarder, on a les munitions. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, on va... Non, attends, ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Du coup, on va voir ce qu'on a dans le truc. Ah oui. Je vais peut-être... Donc, du coup, on a... Je vais... Peut-être prendre le couteau. Non, je vais pas prendre le couteau. On va sauvegarder. Mort de rire, bien vu. Donc là, ça se passe après RE2. D'accord. D'accord, ah merci, d'accord. Mais Devil, ne m'aidez pas. Non, je rigole. Ah, attends, il y a un truc là. Ouh, oui. Ouh, c'est quoi ça? Pistolet rafale.
Ouais, non, je sais pas si j'ai. Non. On va sauvegarder, mais je pense que je vais leur mettre le pistolet rafale. Juste essayer. Hein. Allez, du coup, on y va. Alors, bien dormi? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos. Il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Bah, le blanc, Maxime. Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Oh là 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 là. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds. D'accord. En dessous de cet hôpital. Ok. Contact avec Carlos. D'accord. Attends-toi au pire. D'accord. T'as fini, c'est bon, je peux... Alors là, apparemment, il y a une caisse. C'est une plante verte. On va la prendre quand même. Mais apparemment, il y a encore un truc à prendre. Hein. Ça va, elle se demande pas ce qui s'est passé ici, Jill. Tout est normal. Enfin, visiblement, il y a encore un truc à prendre ici. Hein. Mais quoi? Je suis teubé ou qu'est-ce qui se passe? Je suis aveugle ou quoi là? Oh, tant pis. Hein. Ah. Bon, du coup, désolé hein, pour les allers-retours, hein, mais. Hop. Je pense que je vais le mettre. Je vais remettre celui-là. Hein. Jill est de retour, ouais. Ouais, tout ce qu'elle a vu, puis rien n'étonne. Mais par contre, là, je dois aller. Je dois faire quoi, là? Parce que là, il y a un cadenas. Donc, je peux aller là. Ici, c'est quoi? Ouais, d'accord. Donc, je vais essayer d'aller là. En espérant ne pas croiser le Hunter. C'est quoi? Mag? C'est quoi Mag? Magnum? Attends. Il y a un Magnum quelque part? Mais oui, c'est clair. Salut Demon. Tchè, vous êtes 20 aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Oh, ça pue. Bah, bah j'aime pas définitivement cet endroit, je l'aime pas. On va prendre le pompe. Bon, visiblement ici il y a un truc, mais ah. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis où là? Ça doit mener sous terre. On va voir. On va voir Léon. Éclair. Ah. À mon avis, ça sent la fin ça.
Ça sent la fin. Je sais pas pourquoi. Ah. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Bonjour, entrepôt extrêmement bizarrement large qui peut accueillir un combat de boss. Bonjour. Ah, une plante verte. On est avec Jill, ça like pas, tu vois. L'ordinateur il dit non, non, pas carrosse. Donc, du coup. Ah! J'aurais peut-être dû aller voir. Oh, une sacoche! Génial! Alors, note relative de l'ascenseur. Nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème et êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur, pas de panique. Prenez les fusibles, des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt, utilisez-les pour rétablir l'alimentation principale. Donc c'est ce que je vais devoir faire, clairement. Au plus vite. Voilà, c'est ce que je vais devoir faire, clairement. Quoi ? Ah oui, oui, bien. Ah, mon fils qui me dit, voilà, mon fils qui me dit, t'as pas oublié la caméra. Bah si, c'est pour ça que ça lag pas. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on va mettre ça. On va mettre ça. On va sauvegarder. Et vous pouvez pas le dire sur le chat, là? On a oublié de mettre la caméra. En fait, c'est la caméra qui fait laguer, je pense. Il y a trop de trucs affichés, mais avant, ça fonctionnait bien. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais essayer d'enlever. Attends. Hop, ça, pour voir si ça soulage un peu. J'allais le dire, la même. C'est vrai? C'est vrai, vous allez le dire? Voilà, c'est pas grave. Allez, du coup, on est parti. Ah ouais, ça aurait été dommage de pas voir les coups de flip, là. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je peux lui tirer dessus ou pas? Donc, du coup... Toi, t'as zappé. Bah achète un deuxième PC sur le stream, bah oui, mais il faut les finances. Tu vois. Mais d'habitude il fonctionne mon stream, parce que là je passe par le Elgato. Je passe par le Elgato pour la PS4, donc d'habitude ça fonctionne très très bien, d'habitude ça lag pas. Là je sais pas pourquoi en ce moment il... Mon CPU surchauffe en fait. Bah alors. Comme par hasard. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Bah c'est ça, pas assez de YouTube Money. Donc du coup, je dois rechercher les fusibles. Trois fusibles. Je peux pas aller par là. Oh, c'est quoi ça? Ah! Toi, t'es résistant à mort, toi, viens là.
Punaise. Merci pour ton follow, hein, pour ton soutien, Virtuose. Donc du coup... Fais comme Carlos, tape dans le PC. Ouais, non, mais ça fonctionnera pas, là. C'est pas un PC, c'est des fusibles. Ah, le mien. Ah oui, non, non, non. Non, non, clairement, non. Non, je vais le formater, je pense, mon PC. Je vais essayer de faire quelque chose. Salut, Bataf. Salut, Niro Doc. Comment on va? Merci pour ton soutien. C'est gentil. Peut-être grâce à vous, je pourrais acheter un nouveau PC. Donc, je préfère prévenir. Hein. Je suis pas tout seul dans la pièce. Hein. J'ai mon fils. Par où est-ce que je vais? On va encore tomber sur ces sales créatures là. Oh! Putain! Ah! Putain! Mais LOL! Je suis en danger. Oh là là! Pourtant j'avais dit tout à l'heure, hein. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les chiens. Ils m'ont fait peur! Est-ce que tu vas à Resident Evil 3? Est-ce que tu vas à Resident Evil 3? J'ai pas compris ta question. Ah oui, non, je vais le terminer, oui. Est-ce que c'est ce que je vais faire, une chaîne cross et jeu avec deux PC? Ben oui, non, mais c'est voilà. Mais il faut avoir les moyens pour faire à deux PC. Moi, pour l'instant, ça me suffit, hein, parce que quand je fais du Grand Turismo, ça y va. Et normalement, ça, le PC là, je te dis, à un moment donné, ça allait. Est-ce que tu... J'ai pas compris, Niro. Je comprends pas ce que tu dis là. Est-ce que tu m'envoies un terminé? Oui, non, mais oui. Est-ce que... Oui, je vais terminer. Là, on va passer par là. Visiblement, il veut vraiment le jeu. Oh là, le jeu veut vraiment que je passe par là. Oublie pas la VOD, t'inquiète, je regarde la VOD là. Je suis à 39 minutes en principe. À la prochaine sauvegarde, je termine 5. La VOD. Non, peut-être pas. Ah. Du coup, ici. Ouais, bah ouais. J'entends le bruit de. Par là pour voir. Parce que là, visiblement, ok, d'accord. Donc, ok, le truc qui me servira à ça. Oh putain! Waouh! Sans résistance là! Non, pas celui-là, j'ai pas eu peur celui-là. Il y a eu des sursauts, mais c'est juste des sursauts quoi, c'est pas de la peur en fait. D'accord, attends. Donc, ici. Bon. Ok, donc ici ça revient là. Donc du coup, on revient là. D'accord. Ah, là, un truc là.
Note d'un employé. Anmi 1N2, homme de 59, 18 ans, femme de 51 ans, éliminé, femme, ok, d'accord, renvoyé. Là, 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 là. Transfert de nuit remarqué par une infirmière, les admissions au sous-sol sont temporairement suspendues. Bon, on va aller sauvegarder quand même. Ah, attends, il y a un truc là. Cartouche de fusée à pompe, nickel. Allez. Du coup, on va faire ça. Ça. Et ça va mettre fin à cette VOD. Alors, en live, on continue, mais sur YouTube, ça s'arrête là, ici, pour vous. J'espère en tout cas ce let's play et vous plaît. Et on se rapproche vraiment de la fin. Les tenues, ouais, c'est ça, les zombies, c'est les tenues. Voilà, donc du coup, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine.